Donc, on a décidé de fusionner le DEP d'électromécanique de systèmes automatisés et de mécanique industrielle d'entretien pour faire un DEP. Donc, les élèves, en près de 2 ans, vont avoir 2 diplômes. La pression nous venait principalement des élèves. C'est des questions qu'on avait souvent. J'ai choisi la formation professionnelle parce que quand j'ai fini le secondaire, j'étais allé au cégep, puis ben j'ai pas aimé ça parce que j'aime ça travailler avec mes deux mains. Fait que je me suis dit, je vais aller essayer le double DEP. Puis comme j'aime ça être polyvalent, puis je me suis dit que ça allait m'ouvrir plus de portes, je me suis dit que double DEP, ça allait être une bonne option. L'ancien DEP, on avait 5h30 de cours par jour. Là, on a augmenté à 6 heures par jour pour être capable de rentrer avec le nombre d'heures parce que le nouveau DEP contient 1125 heures. On essaye de comprimer l'année scolaire pour la rentrer dans un temps assez intéressant de 2 ans et 1 semaine comparativement à d'autres centres qui le font en 2 ans et 4 mois. Ben, l'horaire de cours, vu que c'est un double DEP puis que c'est plus concentré, on commence 15 minutes avant toutes les autres au début de la journée puis on finit 15 minutes plus tard à la fin de la journée. On a 1 semaine de plus d'école que les autres à la fin de l'année. Je me dis, moi, je vais avoir un double DEP, fait que c'est plus avantageux pour moi de faire ces 2 15 minutes-là de plus par jour puis d'avoir 2 DEP en poche que seulement 1. Ce qui est unique dans notre formation présentement, qui est jumelée, c'est qu'on est en alternance travail-études présentement à 100%. Donc, les élèves font en moyenne 18 semaines de stage sur 2 ans. Est très intéressant. Dès la première année, ils sont capables d'expérimenter en usine les facettes des deux métiers en même temps et de voir s'ils sont vraiment à leur place dans le domaine. On a eu l'occasion de recevoir déjà 2 étudiants qui proviennent de ce DEP-là sous forme de stage. Et par la suite, juste tenant compte de la qualification de ces gens-là, du rendement qu'ils nous ont donné, on a décidé de les embaucher, de les garder à notre emploi. Donc, on dispose déjà ici à l'usine de 2 employés qui ont suivi cette formation-là. Ce que j'aime de cette formation-là, c'est qu'on va devenir polyvalent. On va apprendre à jouer que de la pneumatique, l'hydraulique, l'électrique, la mécanique. Pour le nouveau DEP, présentement, cette année, ce qui s'est passé, on a eu une belle surprise. C'est que normalement, quand on fait des admissions, là, il y a le premier tour qui finit le 1er mars. Normalement, les DEP standards mécanique industrielle ou électromécanique de systèmes automatisés, on a environ 18, 20, 22 élèves. Cette année, au premier tour, on en avait 36. Et quand on a débuté l'année scolaire à la fin d'août, on a eu 39 demandes de plus, donc un total de 75. Donc immédiatement, là, la réponse a été là des élèves. Les taux d'inscription ont augmenté de façon fulgurante. Là. On est bien, bien contents de ça. Là. À une certaine époque, on pouvait retrouver, je veux dire, des gens qui travaillaient en silo bien fermé, domaine mécanique d'un côté, domaine électrique de l'autre côté. Aujourd'hui, avec les nouveaux systèmes, les nouveaux équipements qu'on installe, bien, on a avantage à travailler avec des gens qui ont cette capacité-là d'intervenir dans les deux domaines au même moment, pour être capable de troubleshooter un problème et de visionner, par exemple, que la problématique est de nature électrique et non pas simplement mécanique, et d'être capable de faire l'intervention pour remettre rapidement l'équipement en production. Pour moi, je veux dire, c'est assez évident qu'aujourd'hui, dans le monde industriel, je veux dire, c'est un atout indéniable que d'avoir du personnel avec cette double formation-là.